What the fuck? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur The Lunatic. C'est parti. Where am I? Où suis-je? What am I doing here? Qu'est-ce que je fais ici? Oh putain, non. Oh putain, ça fait peur déjà. Oh là là, non. Oh non. Oh non, pas ça, d'entrée. On va flipper là, je vous le dis de suite. Daisy? C'est qui ça pour nous? C'est notre femme? Notre fille. Non, Daisy. Oula. Daisy? On joue à cache-cache, ça fait peur les mecs. Hein. Oh, l'ambiance est creepy. Pas les toilettes. Pas les toilettes. Do you want me to find something for you? Tu veux que je trouve quelque chose pour toi? She's pointing to the toilet. Elle monte les toilettes. I guess she needs something there. Je pense qu'elle a besoin de quelque chose là-bas. Je pense que c'est un piège, moi. Moi, je pense que c'est un piège, les mecs. C'est du pipi? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a du pipi dans les toilettes, c'est ça que tu... Non? Non? Je fais jouer avec du pipi et après je fais quoi, moi? Ok, c'est ouvert. Oh shit, c'est une morgue. Et qui, toi? Where did you get this? C'est que tu as ça? I think Daisy wants you to have. Je pense que Daisy. Mais que tu l'as? See her. You tu la vois? Really see her. Tu la vois vraiment? Where is she? Où est-elle? Can you tell her I miss her so much? Est-ce que tu peux me dire? Elle me manque tellement. She loves you. She elle t'aime. You have this. Elle veut she que tu aies ça. Rest in peace now. Elle peut reposer en paix maintenant. Thank you so much. Merci vraiment. Daisy, Daisy. Daddy loves papa t'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Do for you? Do you know the way out? Est-ce que tu connais la sortie? The gate is locked by May. Alors le portail est verrouillé par May. Il y a qu'elle qui peut l'ouvrir. Mais je la connais, elle n'est pas facile. Et dans le second spécial ward, je sais pas ce que c'est. Il y a une clé là-bas. Alors il y a une clé dans le freezer. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, ça parle de code, ça parle de clé dans le réfrigérateur. Et je suis dans la merde, clairement. En tout cas, c'est beau le style du jeu, franchement, c'est incroyable. Bon, attendez-vous au screamer là, j'ai rien compris. Je peux laisser une note. Data in this sheet. Ah. Maybe I should count them in this room. There's some missing data in this sheet. Maybe I should count them in this room. Donc c'était Paul Andrew, il était dans un asile à Torrance, il a 48 ans, Canada, sexe masculin, divorcé, un enfant, âge 9, dead. Il est mort à 9 ans. Allergique à la pénicilline. Alors, qu'est-ce que c'est, coton, bande. Il manque des données. Donc c'est en 1953. Ok, on peut trouver des données There's dans some cette... data in this sheet. Cette Maybe pièce, I should count them in this room. Je pense que c'est dans le truc de morgue ici, non? Attendez, peut-être que le code... 1953? La date... Je peux déverrouiller quelque chose. Alors attendez. C'est un truc à trois chiffres. Maybe I should count them in this room. Donc 9, 5, 4. Le premier truc, c'est les couteaux. Alors combien de couteaux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7, 9, 5, 4. Maybe I should count them in this room. 7, 9, 5. I should try the order on the sheet. Operating knives first. Operating scissors next. 9, 5, 4. And I should try the order on the sheet. Operating knives first. There's some Alors, il y a un ordre. In this sheet. Ok, on va tenter. Yes. Donc, 7, c'était le truc d'escalpel. 2, c'était les ciseaux. Et 4, c'était déjà marqué. On a la clé. On va se manger des screamers. Je dois aller où maintenant? Ça, c'est la salle du pipi. Ça, on a déjà allé. Shit! Elle fait peur, elle! Je vais pas aller dans la pièce derrière.
Madame? Non. Non, pas madame le fantôme. Ok. I think she has to stay in the dark. Ok, je pense qu'elle doit rester dans les ténèbres. Enfin, dans le noir. Elle doit rester dans le noir. Elle est où, là, du coup? C'est quoi, c'est un casse-tête? Oh, shit. D'accord. On va l'empêcher. Alors, attendez. Cette pièce est en face de elle. Je me demande si... Genre, là, je mets de la lumière, elle restera pas. Là, je mets de la lumière, elle restera pas. Donc, elle sera en face et on la force à aller dans la pièce d'en face. Et du coup, on l'isole. Ok, elle peut être que là maintenant. Mais j'ai pas l'impression. Non. Dis-moi comment je peux m'en aller. What the fuck? Je suis mort. Je suis mort. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de toucher le mur, il est joli. Non, faut pas faire ça. Où c'est que je peux m'en aller? On peut pas? Il y a la petite fille, Daisy! Daisy, comment je... je veux partir d'ici! Ok, je crois que ça sert à rien de regarder en bas. C'est vraiment un jeu de malade, hein. Ok, c'est la fin de la démo. Bon, en tout cas, c'était incroyable. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu indé horreur sur le principe de Monopoly. Donc ça s'appelle Do Not Pass Go. Alors, tes amis veulent jouer à Monopoly Moji, encore. Terminons ça, trouve tous les 200$ et passe par la case départ. Donc c'est Go pour eux en anglais. Avant que la Money Bag can stop you. Money Bags doit peut-être être un monstre, je sais pas. Alors si Money Bags t'attrape, tu as 60 secondes pour le trouver avant qu'il te tue. Si tu es attrapé par Money Bags 3 fois, il te tuera immédiatement. Ok. Donc faut être silencieux, faut utiliser nos oreilles, faut pas le laisser nous attraper. Ok, j'ai pas du tout idée de ce qui va se passer. D'accord. On a des dollars. Money bag, faut pas faire de bruit. Donc ça fait du bruit, les chaînes. On est d'accord. Ok, là j'ai pas touché de chaîne. J'ai 20$ sur 200, ok, donc faut 20. Merde, merde, merde. Merde. Ah. What? Il est horrible ce jeu. Ok, je passe de l'autre côté. Oh merde, faut retourner à Go, ensuite faudra trouver la sortie. Faut pas faire de bruit. J'ai peur. Il passe par où là? J'ai aucune idée d'où il est. Oh mon dieu ce jeu. Oh le jeu maudit. J'ai peur mec. J'ai que 30$. Je peux pas aller là-bas, il y a le monstre. Fuck, ça fait peur, hein. On va mourir. Oh, il est super dur ce jeu. Pas de bruit. Pas de bruit. Pas de bruit. Pas de bruit. Surtout pas de bruit. On n'y arrivera jamais, hein. Tellement dur. Ok. J'ai l'impression que la map est petite en plus. Ça a changé Monopoly. Ok, pas de bruit, pas de bruit, pas de bruit. C'est stressant. Oh shit, oh shit, oh shit. Il se rapproche là. Oh mon dieu.
On a 50$, mais on n'arrivera jamais. En plus, il est là-bas. Oh my god, le jeu de malade. Bon, je vais tenter, mais j'ai l'impression qu'il est encore là. On court pas cette fois. Shit. Oh mon dieu, lequel est stressant ce jeu. On va lui prendre l'argent qu'elle puisse là-bas et ensuite je reviens. On staille, on staille, on staille. Devient de plus en plus stressante. Je peux pas. Je peux pas, ce jeu est trop dur.